Enfin, nous serons avec le point 5 d'hiver. Madame la Présidente de la séance, voilà les 5 points qui sont soumis à l'approbation de l'Assemblée générale. Si ces points sont adoptés, nous attendons vos acclamations. Merci beaucoup. Monsieur Marie, merci. On dit, on va aller vers vous. La Guinée-Guinée, c'est moi, mais il n'y a pas de soutien comme ça. On va aller vers vous. Il n'y a pas de soutien. Il va aller vers la Guinée-Guinée. On va la vivre. Mais après, on va aller vers vous, mais il n'y a pas de soutien. Et on peut venir avec la Guinée-Guinée. Donc, alphabet, il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas de soutien. De parler de la situation sociopolitique de notre pays. Comme nous le savons tous, la République de Guinée, le 5 septembre 2021, a connu un changement majeur, historique. Après beaucoup de clameurs par rapport à la situation difficile. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle donne de l'histoire de notre pays, nous partons à une nouvelle situation et nous sommes à la phase d'une transition. Une transition que le PADES a adhéré avec conviction. Pourquoi le PADES adhère à cette transition? Nous voulons que le pays marche. Pour que le pays marche, les nouvelles autorités de transition qui sont actuellement à la tête de l'État, il faut les accompagner. Il faut les aider. Il faut les aider, ça n'a rien de personnel. Il faut les aider parce que la République de Guinée en a besoin. Aujourd'hui, dans cette transition, nous avons demandé depuis très longtemps qu'il faut une assise nationale pour que les Guinéens se parlent, pour que les Guinéens se donnent la main, pour que le pays décolle dans l'apaisement, la tranquillité et dans la paix. Sur ce, le CNRD a mis en place la structure qui s'occupe actuellement de l'assise nationale. Et le PADES est partant. Et les premières assises ont commencé. Le PADES a été représenté par le coordinateur administratif, M. Mohamed Kaba, et par le coordinateur chargé de l'organisation, Dr. Abakar Doma Diaby. Pourquoi le PADES participe à cette assise nationale? Le PADES participe à cette assise nationale parce que les responsables du parti l'ont demandé. Les militants à la base l'ont demandé. Et l'ensemble du peuple de Guinée a demandé cette assise nationale. Nous sommes là-bas au nom de la Guinée pour que ça marche. Nous sommes là-bas pour qu'il y ait réconciliation. Nous sommes là-bas pour que
Les Guinéens et les Guinéennes se donnent la main afin que le pays sorte des difficultés. C'est un fait majeur historique qu'il ne faudrait pas oublier. Le PADES refuse de se mettre à côté parce que nous voulons participer à l'histoire qui aboutit dans notre pays à la paix, à la sérénité nationale. Et je crois qu'il est très très important à mes yeux. De l'autre côté, le PADES reconnaît aujourd'hui que la transition a des côtés positifs. Ces côtés positifs, nous l'avons cité ici depuis très longtemps, la mise en place de la CRIEF qui est en train de faire un travail extraordinaire, la mise en place de la structure qui s'occupe actuellement de l'assise nationale et le chronogramme de la transition. Ça, c'est quelque chose à saluer. Tout n'est pas rose. Les nouvelles autorités, dans leur première expérience, face à un pays qui était en train de vaciller, ils peuvent faire des erreurs. Ces erreurs, c'est de les mettre sur table, les dénoncer et donner des solutions. Voilà ce que le PADES fait. Tout ne peut pas être parfait. Quand il y a erreur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut expliquer où il y a erreur pour que derrière il y a rectification. Le PADES n'est pas là seulement que pour taper sur les nouvelles autorités de notre pays qui sont occupées de la transition. Non, on n'est pas dans ça. Quand ça ne va pas, on dit non, non, ici, il y a problème. Il faudrait aller comme ça. Parce que ces nouvelles autorités, ils ont pris un bateau qui était en train de s'enfoncer dans la mer sans repère. Aujourd'hui, ils ont la direction de ce bateau. Ils peuvent aller quelque part sur une route qui ne sont pas appréciées, mais il faut que les voix se lèvent pour dire non, sur la route que vous êtes en train de partir, ce n'est pas la bonne route, il faut aller là. Voilà le rôle que le PADES se donne. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, militantes, militants,